Yo l'équipe, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Moi, de cap, ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, les gars, on va se retrouver pour une énorme vidéo sur GTA 5 online. Puisque tout simplement, les gars, on va se retrouver pour une pluie d'argent sur PS4 et Xbox One, les gars. Les deux consoles, super facilement. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc, avant que la main commence, avant de voir la méthode, les gars, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à la partager à tous vos potes, les gars. Ça permet d'augmenter la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça prend 10 secondes, la partager sur tous les réseaux sociaux. Et ça me fait vraiment plaisir, les gars. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On va pouvoir débuter, les gars. Donc le glitch il est vraiment super simple les gars, les founders c'est Brotango et Obey Giraffe qui ont trouvé ce glitch, merci à eux tout simplement. Donc voilà le glitch les gars il est très très simple, vous allez voir, il nécessite aucun bâtiment, propriété etc. Juste un hélicoptère que je vais vous montrer juste après, mais à part ça rien d'autre. Donc c'est un glitch exclusivement pour les pauvres les gars, parce que pour les riches certes on gagne pas mal, mais ça vous sert pas à grand chose. Je vous conseille vraiment le glitch duplication que je vous mettrai en description. Mais sinon pour les pauvres les gars c'est énormissime pour ceux qui voudraient se faire de l'argent. Donc voilà, donc les gars c'est un peu du même style que le glitch de Lester, mais forcément on gagne beaucoup moins que le glitch de Lester quand même. Mais c'est vraiment un glitch assez top. Donc voilà, donc n'oubliez pas les gars qu'avec le glitch de Lester, Rockstar nous avait enlevé l'argent par après. Donc ça je vous conseille, quand vous recevez l'argent, et ben les gars tout simplement vous directement vous le dépensez en bâtiment, en propriété etc. pour ne pas qu'ils vous le retirent, on ne sait jamais. C'est pas sûr qu'ils vous le feront, mais pour être sûr des précautions, je vous conseille d'acheter certains véhicules et propriétés. Donc voilà les gars, donc les gars c'est pas un glitch solo, je vous l'ai bien dit au début de la vidéo, c'est un glitch en duo ou plus, c'est comme vous voulez. Plus vous serez dans la session, plus vous allez gagner de l'argent. Donc si vous êtes 4, vous allez vous gagner blindé, 2 un petit peu moins et 3 un peu mieux que 2 forcément. Donc les gars, pour ce glitch il vous faudra tout simplement un hélicoptère. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir l'hélicoptère Akula. Voilà, parce que pourquoi? Parce que l'Akula c'est comment dire, l'hélicoptère le plus solide, le plus rigide du jeu. Voilà, maintenant si vous avez d'autres hélicoptères comme le Buzard, vous pouvez, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment l'hélicoptère va casser malheureusement. Donc voilà, donc moi je vous conseille déjà d'avoir un hélicoptère avec 100% de blindage. Et c'est parti, on va pouvoir débuter. Donc les gars déjà on va se retrouver en session sur invitation tranquillement. Regardez l'endroit, je vous situe sur la map, c'est l'endroit où vous allez pouvoir devoir mettre votre Akula. Les gars, d'autres hélicoptères fonctionnent aussi. Vous allez tester, mais vous allez voir qu'au bout de certains moments, ça se pourrait qu'il pète. Donc déjà, je vous conseille de vous mettre le blindage à 100% sur l'hélico. Donc c'est parti, les gars. Donc voilà, donc là, on se retrouve au même endroit que moi, sur la plage, tranquillement, aussi sur invitation. Et regardez comment vous allez mettre votre hélicoptère. Donc les gars, le glitch, il est super safe. Ça prend 30 secondes à être préparé. Juste, les gars, c'est un glitch à plusieurs. Donc je vous conseille de vous aider à 100% dans les commentaires. C'est très important, les gars. Vous mettez votre PSN et chacun à votre tour vous aider. Voilà, c'est vraiment top. Plus vous serez dans la session, les gars, plus vous allez gagner l'argent. Donc voilà, vous allez mettre votre Akula à peu près exactement comme un. Donc vous voyez bien les filets de tennis, donc ou de volet, vous allez les mettre, vous allez mettre, vous voyez bien qu'il y a une petite étoile à l'arrière de mon Akula. Vous allez mettre à peu près l'étoile tout près du piqué du filet de volet. Donc regardez bien, vous mettez quasi comme moi, pas spécialement contre le filet parce que ça pourrait risquer de vous casser votre hélicoptère. Vous le mettez à peu près comme moi. Voilà. Quand vous l'avez placé les gars, vous allez seulement inviter des amis à vous, un ou plusieurs. Voilà, et vous allez être dans une session sur invitation. Donc regardez bien, là je vais vous montrer d'abord ce que votre ami qui vous aide, donc qui recevra pas l'argent qui vous aide, va devoir faire. Il va devoir se mettre en première personne et ensuite quand il est la première personne, rentrer dans la Akula ou l'hélicoptère que j'avais choisi. Donc moi là les gars, je précise bien que là je vous montre le moment où c'est votre ami qui vous aide. Donc vous allez faire pause, all in, crew, et vous allez tout simplement aller dans classement. Vous allez dans classement et vous allez voir hygiène crew. Vous allez mettre voir membre. Et là les gars, regardez bien, quand vous êtes sur voir membre, vous allez simplement faire défiler, donc faire flèche du bas et faire défiler les noms de tous ceux dans le crew comme ça. Donc forcément celui qui va recevoir l'argent va se mettre à côté de l'hélicoptère. Vous allez voir qu'il va recevoir plein d'argent qui tombe du ciel. C'est vraiment top. Donc pour ceux qui aident, vous pouvez très bien être en AFK. Vous bloquez simplement la flèche du bas avec un scotch ou quoi, pour tout simplement que vous ne soyez pas exclu. Et en même temps les gars, que vous soyez AFK, vous pouvez aller regarder la TV en bas, faites ce que vous voulez. Et voilà, et l'autre recevra l'argent les gars. Donc tranquillement, là je vous montre bien évidemment la vue de celui qui aide. Là c'est parti les gars, on va montrer la vue de celui qui gagne. Donc là je vais gagner l'argent. Donc merci en tout cas à TheFear59 et à Xtins Tiger de m'avoir aidé. Donc alias Song de m'avoir aidé. Merci aux deux frérots de m'avoir aidé pour ce glitch. Donc les gars c'est parti, regardez bien. Donc le premier en vue en première personne monte dans l'hélicoptère. Donc ça c'est bien ceux qui aident. Le deuxième, donc nous on était trois pour la vidéo, il va tout simplement prendre une voiture, que ce soit une voiture de PNJ, que ce soit une voiture à vous, peu importe. Donc les gars j'ai oublié de préciser, mais pour celui qui a l'hélicoptère c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez très bien avoir un hélicoptère, un ami, et recevoir l'argent, peu importe de qui vient l'hélico, on s'en fout complètement. Donc regardez bien, donc mon ami va mettre le véhicule comme ceci pour bloquer en fait la porte de devant, c'est très important. Et là tout simplement regardez, mon deuxième ami, donc Xtens Tiger, va tout simplement rentrer dans l'hélicoptère
et tout simplement ils vont faire la même manip que je vous ai montré avant, donc avec le classement du crew. Tout simplement, regardez bien, d'un coup vous allez voir que c'est parti, l'argent va commencer à tomber du ciel. Si vous voyez moi à droite des moins 1000, c'est normal, c'est quand je fais l'animation plus de billets, mais tout simplement c'est pour ça que j'ai des moins 1000. Donc regardez bien, vous voyez bien en haut à droite, mon argent n'arrête pas de défiler les gars. C'est parti, vous voyez bien, une pluie d'argent. Et en fait, c'est les PNJ qui tombent du ciel parce que mes deux amis font le bug. Et c'est l'argent qui tombe, vous voyez bien qu'il y a plein d'encas à terre aussi. Et regardez le nombre d'argent que je me fais. Donc les gars, voilà. Donc si vous voyez des moins 1000, c'est normal les gars, je le répète encore. C'est l'animation des puits de billets que je fais pendant que je fais le glitch. Donc voilà. Donc les gars, ça se peut, je préfère bien vous prévenir que l'hélicoptère casse au bout de 5 à 10 minutes. C'est possible puisqu'en fait, c'est les PNJ qui tombent du ciel. Donc voilà, donc là, vous devrez simplement recommencer avec un autre hélico. Essayez de le mettre dans une position différente pour qu'il ne puisse plus casser, mais ça peut arriver, j'en suis désolé les gars, c'est un peu le hic de ce glitch, c'est pour ça que ça reste un glitch pour les pauvres, parce que c'est pas en illimité non plus, mais vous pourrez regarder bien tout l'argent que je me fais. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Moi en tout cas sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, c'était Fryze, allez bye tout le monde.